Et toujours ces magnifiques éclairages pour accueillir Kevin Emoz. Un nouveau programme d'exhibition concernant Kevin. Ça, c'est un thème immortel. What a glorious feel, and I'm happy again. Just singing. Ah bien, là ici un triple salto avec le parapluie dans la main. Ça va à 100 à l'heure, hein, Philippe. Enfin peut-être à 99 à l'heure. Non, je veux dire, c'est ce qui caractérise notre ami Emoz, ça, c'est la rapidité de son patinage. Quintuple champion de France. Et d'ailleurs, il est grenoblois, même s'il s'entraîne en Floride. Il est presque à domicile ici. Ouais. Ah, avec une assistante. Léa Serna. Ah, ça va changer de rythme. Hein. Ah, c'est très très bien. J'adore ce patineur, depuis toujours d'ailleurs. Et c'est vrai que Annick le disait, sa confrontation avec IMFA à Helsinki sera passionnante à suivre. Et difficile de donner un pronostic en plus. Oh, il ne faut pas, ce qu'on veut, donc, c'est qu'ils soient tous les deux sur le podium européen, un point c'est tout. Dans l'ordre, bon. Oui, enfin, l'ordre a quand même une petite importance. Enfin, je vais pas. N'insistons pas, mais. Pour celui qui monte sur le podium, oui, c'est... Mais pour nous qui sommes observateurs bien et sûr. Commentateurs, je pense qu'on sera très contents d'en avoir deux sur le podium. Je vous propose voilà, ça, un et deux. Annick, ça, c'est une chanson pour vous. It's Raining Man. Il pleut des hommes. Voilà. Là, c'est le titre de la chanson. C'est Annick qui serait contente, ça, là, c'est sûr. Pour ça. Et voilà. Non mais c'est bien parce que cette deuxième partie de gala, voilà, Emoz au sommet, cette deuxième partie de gala prend tout son sens. Il est pas au sommet là, il est plutôt à terre. Comment ? Il est pas au sommet là, il est plutôt à terre. Petite chute. C'est plein d'inventivité, c'est très facétieux, c'est parfait. Bravo Kevin Emoz.